Mon père m'attendait à la sortie. Le grand jour était enfin arrivé. Cela faisait 9 longs mois qu'il attendait, 9 mois interminables durant lesquels il fut séparé de moi. Au terme de ces 9 mois, enfin, jour pour jour, je sortis de mes ténèbres et quittai le ventre maternel possessif pour aller vers la lumière et vers mon père. « Il est là !» s'écria-t-il en voyant apparaître mon petit crâne, et, telle la grotte d'Ali Baba, chose à la merci d'un mot, le ventre s'ouvrit pour me délivrer entièrement. Le pauvre homme en fut si bouleversé qu'il se mit à crier à tue-tête « C'est une merveille, c'est une merveille !» Le bruit courut très vite dans l'hôpital qu'un ange venait de naître. « Il a un sexe ? C'est une fille ou un garçon » demandait-on. « C'est une merveille !» répondaient les mieux informés. De tous côtés, les portes des chambres s'ouvraient, on sortait dans les couloirs, on cherchait la merveille en suivant le son de la voix du père qui gueulait toujours. Tandis que, dans cette chambre où je venais de naître et qui devenait le centre, le cœur même de l'hôpital, quelques blouses blanches tentaient de calmer l'insensé et que ma mère, oubliée de tous, soufflait comme une vache, les jambes écartées et les bras pendants de chaque côté de la table d'accouchement, des mains expertes poursuivaient leur travail, coupant le cordon ombilical pour me suspendre ensuite par les pieds comme un vulgaire jambon et me poser enfin tout gluant sur le ventre flasque jouissant de sa délivrance. Quelques curieux, dans l'agitation et la confusion générale, parvinrent à s'introduire dans la chambre sainte et se penchèrent au-dessus de moi, petite chose braillante et gesticulant sur la chair maternelle, pour voir si j'avais quelque chose de spécial et savoir à quoi ressemblait cette merveille. À leur grande âme, ils ne virent qu'un nourrisson rougeau et chiffonné à tout autre semblable. Quelques-uns cependant ébauchèrent à tout hasard une sorte de révérence d'une gaucherie cocasse, hésitant entre la génuflexion et l'inclinaison ou les deux en même temps, partagés entre la peur du ridicule et la crainte d'offenser Dieu en ne reconnaissant pas l'un de ses anges. Mon père, lui, n'avait pas le moindre doute. Plus qu'un ange, j'étais l'élu. Mais après avoir laissé exploser sa joie, il préféra se taire et ne pas éventer ce qui devait rester secret. Peu après ma naissance, l'auteur de mes jours fut emporté brusquement par un mal inconnu. Durant plusieurs mois, avant de disparaître de ma vie, il avait pris soin de me répéter chaque soir, penché sur mon berceau. « N'oublie jamais que tu es l'élu. Tu as une mission divine. Un jour, elle te sera révélée. Tu n'as qu'à attendre. Mais ne parle jamais de cela à personne », précisait toujours mon père. « Seule ta mère et moi le savons. C'est un secret de famille qu'il faudra garder sans faillir, jusqu'au jour où le monde te reconnaîtra. » Chaque soir, les mêmes mots, exactement, pénétraient mon esprit vierge.